mettre dans une chanson pour toutes celles et tous ceux qui, petits, ont rêvé de devenir grands reporters. Le teint allé par l'avant-tour, moucheté par la petite vérole, la barbe qui fait les trois jours, peau de chagrin noyée dans l'alcool, un pantalon beige de flanelle, à cheval sur un dromadaire, parti à la chasse aux nouvelles, revenu avec trois faits divers. Croisé l'envoyé très spécial, qui va de son cher confrère, qui a commencé à Canal avant d'atterrir à Inter, trouver le chapeau adéquat. Être toujours, toujours à la page, être lu par les diplomates, entre la poire et le fromage, aller chercher l'inspiration dans un trois feuillets bien tassé, de la place pour l'imagination quand il faut lécher son papier. Mais quand à Paris le temps presse, finira par un grand coup de manchette sur le crâne d'une petite négresse qui en finit par le faire respect. Est-ce que vous êtes prêts à chanter en chœur les commentaires du grand reporter? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Ok, on vous écoute. Kabila boule en Kabylie, à vous. Kabila boule. Face aux flics, à vous t'es flicasse. Face aux flics, à vous t'es flicasse. Kadhafi n'a qu'un alibi. Kadhafi n'a qu'un alibi. Chasse aux Sarkozy à Kinshasa. Chasse aux Sarkozy à Kinshasa. Bongo sur Robert Jogabon. Bongo sur Robert Jogabon. Avec le fric de la floc. Avec le fric de la floc. Des barbouzes pour les coups de bâton. Des barbouzes pour les coups de bâton. RG pour la tactique ad hoc. Ok, merci, c'est super. Ok, merci, c'était super. Ah, ça va les filles, c'est bon, merci. Ça va les filles, c'est bon, merci. Notre reporter est fatigué. Notre reporter est fatigué parce que toute la nuit, figurez-vous qu'à la grande garden party du colonel Kadhafi, toute la nuit, il a dansé. Il a dansé le Mapuka. Mapuka. Avec Nicolas, Cecilia, Rachida, Rama, Carlita. Ouais, Mapuka. Il a mal au rein. Il est fatigué, notre reporter. Il est fatigué. Vers 3h du matin, il s'assure que personne ne le regarde et il se dirige discrètement vers les vestiaires. Il a repéré le manteau de Ramayad. Il fouille dans ses poches. Un portable. Allumé. Un SMS. Rejoins-moi vite, ma petite gazelle, chambre 218. Signé Bernard K. Oh. Même Pierre Péan n'en a pas parlé dans son livre. Il a son scoop, notre reporter. Il va pouvoir rentrer à Paris. Merci les gars, c'était sympa. Ciao. Il rentre juste à côté du palais de Kadhafi dans un hôtel 5 étoiles spécialement affrété par l'Elysée. Il rentre dans sa chambre. Direct, il s'allonge sur un bon gros matelas moelleux. Il va pour s'endormir, mais juste avant, il aperçoit sur sa table de nuit un paquet cadeau. Alors il ouvre. Un exemplaire, première édition de Tintin au Congo. Oh, avec un petit mot sur la première page, signé Nicolas S. Il ne faut pas oublier les bienfaits de la colonisation. Tu vois, à ce moment-là, il a une pointe de mauvaise conscience qui lui traverse l'esprit. Il pense à ses glorieux aînés, Ernest Hemingway, Jack London, Joseph Kessel.
et il essaye de trouver le sommeil en rêvant de Lyon. Le lion est un tank en gauche, chevet d'une trois colonnes. Ce pays est l'étoffe d'un héros et le grand prix Albert London. Une frangine dans sa casbah qui lentement se désagrafe. Découpé à Casablanca et coincé entre deux paragraphes. Partir s'enterrer au arabe, une fois fini, filer comme en